Pasuk Lamed Tet Perek Yud Bet. Perek Yud Bet Pasuk Lamed Tet. Bayofu et Abatsek Asher Otsiou Mitzrayim Ugot Matzot Kilo Hamet Kigor Shou Mitzrayim Velo Yachlu Lit Mamea Vegam Tseda Lo Asulaem. Alors, l'explication simple, quelle, du Passouk, ils ont fait, ils ont, le peuple d'Israël a cuit leur pain, leur pâte, quelle, qui sont sortis d'Égypte, quand Asherotzi ou Mitzrayim, ou Got Matzot, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont cuit comme pain, ou Got Matzot, c'est des Matzot, c'est-à-dire sans. Ils n'ont pas eu le temps de lever le pain. Le pain n'a pas été le temps d'être levé. Kilo Hametz. Pourquoi? Kigor Shum et Mitzrayim. Parce qu'ils ont été virés, jetés d'Égypte. Velo Yachlou Litmamea. Et ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu attendre, ils n'ont pas eu le temps de prendre le temps que le pain s'élève. Que le pain se lève. Vegam Tseda Lo Asulaem. Et aussi, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu le temps de prendre avec eux Tseda. Tseda, ça veut dire toute chose que la personne elle prend avec elle quand elle part en chemin. Ken. Il dit Rashi, ma guide Shifran, chez l'Israël, chez l'Oamrou, Ech netse la midbar belot Tseda. Ça dit leur Shifran, à Shevar Shelaen. Shevar, ça veut dire leur. Comme le peuple d'Israël, il est. Il, ken, comme le peuple d'Israël, le mérite, ken, le Shevar, ça veut dire le. Bon, on va dire, et bien, Pshitut Rashi. Shelo Amru, Ech Netse la Midbar, Belot Seda. Comment on va partir, on va sortir d'Égypte, on va sortir dans le désert, sans Tseda, sans prendre avec nous. Des choses de côté, de prendre avec nous des valises, de prendre avec nous des choses de côté. Ils n'ont pas pensé, ils sont sortis comme ça, ils ont pris des matzot, qu'ils n'ont même pas eu le temps de lever le pain, ils n'ont même pas eu le temps de faire du pain comme il faut. Et là, ils minou vers la roue. Ils ont eu la foi en Dieu et ils sont partis comme ça. Ou chez mes fourrages Bekabala, comme c'est marqué dans les Nevi'im. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לך תחזרי במדבר ברס לא זרוע. זהו, השם מתברך, ילדים, מוע, שמור הפלרי תוז'ור, כמו תפרצית סרסית אג'יפט, את עתו אבונדוני פורמוע, את המם פעול טון תפרק ככשוז, תפרצית דון תר, הוא במם פעול פלונטי דשוז לבא, ברס לא זרוע, זה למדבר, לדזר, הוא פורע פלונטי, זה רפרזנט לאמונה. Quel te représente la Emouna, Kadosh Baruch Hu, il se rappellera toujours de cette Emouna que le peuple d'Israël a eu à Kadosh Baruch Hu, ils sont sortis comme ça d'Égypte. Quel? Top, Bezrat Hashem Mitbarach. Alors, Rabbi Nathan, il va nous expliquer Bezrat Hashem ce pasouk. Il va nous parler des matzot. Rabbi Nathan va nous parler des matzot. Il va nous parler de la joie dans la mitzvot. Rabbi Nathan dit que l'essentiel de comment on reçoit la Torah, Ken, c'est la joie dans la mitzvot. Quand le peuple d'Israël ils ont reçu la Torah, ils ont mis sur chacun deux couronnes. Et c'est marqué ces deux couronnes là, c'est marqué Vesimchat Rosham Simchat Olam al Rosham. La joie a infinie sur leur tête. Ces deux couronnes qu'ils ont dit Naaseh v'Nishma. D'abord on va faire, après on comprendra. Ils ont reçu sur eux deux couronnes. Et ces couronnes-là, elles représentent la joie. Comme c'est marqué V'Simchat Olam al Rosham. La joie infinie sur leur tête. Donc l'essentiel de comment on accomplit les mitzvot, c'est avec joie. Okay? Comme ça on doit accomplir les mitzvot avec joie. Il y a plein de niveaux dans la joie. Il y a plein de niveaux dans la joie, comment accomplir la Torah et les mitzvot. Et Bezrat Hashem Yitbarach, et l'essentiel, c'est de savoir comment se réjouir. Et là, Bezrat Hashem, Rabbi Nathan, il nous amène de Rabbeinu Akadosh,
il va nous montrer un chemin, comment arriver à la joie, comment arriver à se réjouir de la Torah et des mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, dans l'écouté à la Chot, c'est à l'écouté à la Chot, à la Chala, à la Chagimel, à la Chot de Chala, c'est quand on fait une pâte, et cette pâte-là, on doit, au moment où on verse de l'eau sur la farine, on a une mitzvah d'enlever un morceau de la pâte et de donner ça au Kohen, à l'époque où il y avait des Kohanim qui étaient purs. Aujourd'hui, qu'on est tous impurs, on peut pas manger ça, c'est de la challah, c'est quelque chose de sain. Donc on doit brûler ça et on peut pas le manger. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan, il explique que quand on mange quelque chose, quand on se nourrit de quelque chose, l'essentiel, c'est que cette nourriture rentre en nous et elle alimente le cerveau. Elle alimente le cerveau et toute la construction du cerveau se fait d'après l'aliment qu'on va manger. Et le cerveau, après, il réjouit le cœur. C'est pour ça que quand on mange quelque chose, et ben après, on est content, on est joyeux. Maintenant, ça dépend quelle joie on reçoit. Si la personne, elle mange un aliment sain et elle mange ça avec sainteté, elle fait comme il faut et tout, alors elle va pouvoir recevoir une vraie joie à l'aliment de son cerveau. Son cerveau, il va être construit d'après l'aliment qu'il mange comme il faut, sainement, et son cœur, il va se réjouir. Mais pourquoi il va se réjouir? Parce que son cœur, il va devenir droit. Il va devenir droit, il va plus être tordu. Et il va se réjouir, comme c'est marqué, ou les Ishrelev Simcha. Les gens qui ont le cœur droit, ils sont joyeux. Les Ishrelev Simcha. Et grâce à cet aliment-là, le cœur, il était avant quand on avait faim et tout, on avait faim, le cœur, il n'était pas droit, il était courbé. Et il faut repasser le cœur, il faut rendre le cœur droit pour pouvoir, mamash, être joyeux. Pour être joyeux. Rabbeinu dit que comment on rend le cœur droit? On rend le cœur droit quand il dit Rabbeinu que le tonnerre, il a été créé pour redresser le cœur. Et que quand quelqu'un il écoute le tonnerre, ça redresse son cœur. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Rabbeinu il dit que ça, comment on fait ces tonnerres là? On peut les faire tous les jours en priant. Quand on rentre notre force dans la prière, les mots qu'on sort de notre bouche, c'est comme des tonnerres qui font, mamash, qui redressent notre cœur. Mais le problème qu'il peut avoir, c'est que ça ne peut pas marcher si notre cerveau, il est rempli de d'impureté. Donc ça fait pas de, on ne peut pas faire de tonnerre avec la prière. Parce que notre cerveau, il est pris déjà avec plein de choses qui sont impures. Donc il dit à Rabbeinu qu'il faut garder notre cerveau de toutes sortes d'impuretés, de bien garder notre cerveau de toutes sortes de mauvaises pensées. Comme ça, quand on va prier, ces prières, ces paroles de prière, elles vont pouvoir rentrer, et on pourra faire un tonnerre et redresser notre cœur, on va pouvoir être joyeux. Et après, c'est quoi l'essentiel de la joie? C'est de pouvoir faire les mitzvot avec joie. C'est ça l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel de la mitzvah, la simcha la plus grande? C'est de même plus vouloir rien, de plus être dépendant de rien. De t'attacher à Hashem Yitbarach, de faire les mitzvot tellement avec joie que la personne ne veut même pas de Olam Haba. Elle a même pas besoin de Olam Haba. Elle veut que Hashem Yitbarach lui donne une autre mitzvah, que c'est quoi son salaire de la mitzvah qu'il a fait. Il pense même pas à Olam Haba. Il veut qu'Hashem Yitbarach lui donne une autre mitzvah maintenant à faire, parce que toute sa joie, c'est ça sa vie, c'est la joie qui est dans les mitzvot. Et Rabbeinu, il dit qu'on peut arriver à ça, il faut en priant avec force et en gardant notre cerveau de toutes sortes de mauvaises pensées. Et alors Rabbi Nathan, ce qu'il nous apprend, c'est que les aliments, ils ont beaucoup, beaucoup de force pour garder notre cerveau. On a besoin de bien alimenter notre cerveau pour que notre cerveau il soit comme il faut, pour que notre cerveau, le mochin, ça s'appelle des mochines, il soit bien construit. Alors il faut quand on mange, il faut se sanctifier au moment où on mange.
Et comme ça, ce cerveau-là, il va être bien être gardé. La personne n'aura pas beaucoup de travail pour garder son cerveau parce que son cerveau, il va être déjà lui-même, il va, grâce à la nourriture qu'il va manger, alors ça va le, il va bien être construit son cerveau et donc il va être attiré par la vraie joie, la joie des Torah et des mitzvot et pas le contraire, chas v'shalom. Maintenant, il dit, Rabbi Nathan, il dit que Bémet, qu'au moment où on sort d'Égypte, il fallait beaucoup garder notre cerveau, de ne pas penser trop, pas penser. Okay? Alors il dit, Bémet, que pour ça qu'à un moment de sortie d'Égypte, au moment de Pessah, on n'a pas le droit de manger du tout de Hametz. Hametz, c'est du pain qui a été élevé. C'est toute la sorte de façon de quand on pense, ça s'appelle l'Achmit Setamor. Que on pense des pensées, notre cerveau, on fatigue notre cerveau, on remplit notre cerveau avec plein de pensées. Il faut être très simple. Pour sortir d'Égypte, au début, il faut être très simple, il ne faut pas penser. C'est pour ça qu'au début, on est obligé de manger de la matzah. Et la matzah, c'est une nourriture des anges. Quand on est sorti d'Égypte, on a pris avec nous des matzot. Il y a marqué, que cette matzot qu'on a pris quand on est sorti d'Égypte, ils avaient déjà le goût de la manne. La manne, c'est ce que Hachem Yitbarach, il faisait descendre ça dans le désert pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Il faisait descendre la manne. Et déjà, le pain qu'ils sont sortis d'Égypte, c'était de la matzah. Ils avaient déjà le goût de la manne. C'est-à-dire que quand on mange de la matzah, on mange le mâche de la manne. C'est le goût de la manne. Et cette manne-là, cette matzah-là, c'est une nourriture très saine, très sain, qui va nous réparer notre cerveau, et dire Rabbi Nathan, ça va nous guérir notre cerveau. Et après ça, toute l'année, on va pouvoir manger tout ce qu'on va manger, on va pouvoir sanctifier ça. Ça va être aussi de la manne. Ça va être comme de la manne. C'est la même. Ça va être la même chose comme si on mangeait de la matzah. Puisqu'on a fait ça au début, on a bien réparé notre cerveau comme il faut. On a bien réparé, on a bien guéri notre cerveau grâce à cette matzah là qu'on a mangé à Pessah. On va pouvoir tout ce qu'on va manger après, ça va être la même sainteté que la matzah en elle-même. Alors il dit Rabbi Nathan que Bémet, que grâce à cette nourriture là, notre cerveau il va être bien, il va être sanctifié grâce à ce qu'on va, on va bien se sanctifier dans la nourriture, surtout de ne pas manger chas v'shalom des choses qui sont pas kachères. Chas v'shalom, c'est encore plus grave. Mais même quand on mange des choses kachères, qui sont kachères et tout, il faut bien se sanctifier, il faut faire une tzadaim avant de manger tout ce qui considère la nourriture, de faire toutes les lois de la nourriture. Et même quand on mange, de bien savoir qu'on est en train de manger là pour se rapprocher de Dieu, pour pouvoir construire notre cerveau, pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach, et grâce à ça, de pouvoir mériter la joie, la vraie joie, dans la Torah, dans les mitzvot, que ça c'est la vraie joie, que la personne, quand elle ressent cette joie-là, elle n'a plus besoin de rien du tout, elle n'est plus dépendante de rien. Elle veut encore une autre mitzvah. Elle demande même pas de Olam Haba, elle pense même pas au Olam Haba. Alors, Bezrat Hachem Yitbarach, ça c'est le pasouk de la paracha. Il dit Rabbi Nathan, Ikar kiyum haTorah veHaMitzvot bishlemut ou al-yedei haSimcha shel haMitzvah. Il dit Rabbi Nathan que l'essentiel, de comment on accomplit la Torah et les Mitzvot parfaitement, c'est grâce à la joie de la Mitzvah. Que Moshe Katouf tachat asher lo avadat Hashem beSimcha veIkar shlemut haSimcha shel kiyum haMitzvot uChezochim leSimcha kazo sheno rotze klal afilu shum sachar laMaba bead haMitzvah. Il dit l'essentiel de la Mitzvah, kiyum haMitzvot, c'est quand il veut même pas de Olam Haba pour la mitzvah. Il va accomplir la mitzvah en elle-même. Il est joyeux, il reçoit un plaisir du fait d'avoir accompli la mitzvah. Il mérite de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Il attend qu'Hachem Yitbarach va lui donner, par le mérite d'avoir fait cette mitzvah-là, il va lui donner encore le mérite d'un salaire. C'est quoi son salaire qu'il demande? Une autre mitzvah. Le prinat sachar mitzvah. Qu'est-ce que ken? Sachar mitzvah, le salaire d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Ken? Et c'est prinat naase venishma. Shamu Israël bishat kabbat Torah. Aïnu sachar mitzvot asiat mitzvotenu. Yerak shenizkel et dezel ishmoa od kama mitzvot ul kaimam. Ça veut dire quoi naase venishma? Il dit Rabbi Nathan, on va faire les mitzvot. Pourquoi? Pour qu'on puisse écouter encore des autres mitzvot. Naaseh, on va faire pour écouter.
C'est-à-dire, Naaseh v'nishma, on va faire et on va écouter. C'est-à-dire quoi, on va faire et on va écouter? On va faire pour pouvoir écouter une autre mitzvah. Là, maintenant, je vais faire cette mitzvah-là, et c'est quoi comme ça a l'air que je veux de cette mitzvah? Qu'Hachem Yitbarach, il me donne une autre mitzvah. Que je puisse écouter encore une autre mitzvah. Balken be'emet darshu rabotenu zal, simchat olam al rosham. על שני הכתרים שנכתרו ישראל עדי נעשה ונשמע, כי זה עיקר שלמות השמחה של קבלת התורה וקיום המצוות, כן, כשזוכים לבחינה זו הנ"ל. רבי נתן, זה האסנציאל דו לקבלת התורה, זה כל קבלת התורה, לדון דו לתורה, דבר רשו לתורה, הוא מריץ את בחינה לה, את נוסיון לה, שהוא בחינת נעשה ונשמע, כדופר למצוות, ממש, dans cette notion-là, qu'on fait une mitzvah, on est tellement content d'avoir fait cette mitzvah qu'on fait une autre mitzvah. Mais c'est brinat ma shekafla Torah et tel kama mitzvot naton titen anek ta'anik vekayotze. Il dit, Rabbi Nathan, c'est pour ça que la Torah, elle a fait, quand elle donne, elle demande de faire une mitzvah, naton titen, donnera, tu donneras. Pourquoi deux fois? Pourquoi elle dit pas tu donneras? C'est tout. Ça suffit de dire tu donneras. Il dit que ça vient représenter ça. Qui c'est Ikar Shlemut Kiyum Mitzvot, chez Mekayem Mitzvah, chez Nitzat Zdaka, Veliten Odapam. Mais rien de Bechol Mitzvot. Que quand il donne la Zdaka, quand il fait Naton Titen, quoi? Tu donneras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'une fois. Toute la Shlemut de la Mitzvah. C'est qu'il fait la tzedaka, pourquoi? Pas pour... Parce que, ça y est, j'ai fait la mitzvah. Non, j'ai fait la mitzvah pour pouvoir maintenant mériter qu'Hachem Yitbarach, il me redonne encore de l'argent, que je puisse encore donner encore une fois la tzedaka. Quand j'ai donné, pour que je puisse donner encore une fois. Vezeh brinat ma sheneemar etzel yitzat Yisrael Mitzrayim, ba yofu et tabatsek ou got matzot ve gam tzeda lo asu lahem. Alors c'est marqué, ils ont fait les matzot, et aussi les tzeda, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris avec eux. Ils n'ont pas pris avec eux des valises, ils n'ont pas pris avec eux des choses, Ken, pour le chemin. Et rabotez nos aldarchou, ou shmartem et amatzot, ou shmartem et amitzvot. Il y a marqué ou shmartem et amatzot, ou shmartem et amitzvot. C'est quoi shmartem et amatzot? Vous allez garder les matzot, vous allez garder les mitzvot. Keshem shen machmitzim et amatza, kachet machmitzim et amitzvah. Comme on ne fait pas. Il ne faut pas rendre la matzah chamet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de la mettre au four, de la cuire, okay, il ne faut pas la rendre chamet, il ne faut pas l'élever, il ne faut pas lui laisser le temps de s'élever, il ne faut pas laisser la pâte attendre. La même chose, la mitzvah, il ne faut pas la laisser attendre, il faut la faire tout de suite. C'est-à-dire que la personne, quand elle a la joie de mitzvot, elle fait les mitzvot avec mamash zrizut. Zrizut, ça veut dire qu'elle est, la personne, elle est rapide, elle veut faire une mitzvah, elle demande ça, elle n'est pas lourde, la personne elle est joyeuse, la joie et la zrizut, il dit Rabbi Nathan que c'est la même chose, la joie et la rapidité c'est la même chose, quand la personne elle est joyeuse, elle est rapide, quand la personne elle est triste, alors elle est lente, okay, la tristesse et la personne d'être lent, c'est la même chose, la tristesse et fainéant, la fainéantise, c'est la même chose, et d'être joyeux et d'être rapide, de ne pas être fainéant, le contraire de fainéant, c'est aussi pareil. Donc il dit Behemet, ou shmartem et amatzot, ou shmartem et amitzvot, que shem shen machmitzim et amatza, kachen machmitzim et amitzvah. Vezeu, vegam tzeda lo asu lahem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris avec eux des valises, ils n'ont pas pris avec eux des choses. Qui a l'aide qui ou ma mitzvot, machin adam tzeda le darko aroch. C'est-à-dire qu'il dit Behemet, que quelqu'un, quand on fait des mitzvot, on prend avec nous, on prépare avec nous des valises. On prépare avec nous des valises pour notre chemin long. On va aller dans le Lamaba. On a besoin de ces valises-là, on a besoin de ces mitzvot-là. Ça, que chaque mitzvot qu'on fait, c'est des habits. Quand en Torah qu'on étudie, c'est la nourriture qu'on va manger dans le Lamaba. Et de la prière qu'on prie, c'est de la boisson. Qu'on prépare tout ça, mamash, pour pouvoir que notre Neshama va pouvoir se rassasier, pouvoir boire comme il faut et s'habiller, avoir des habits. Ken, tout ça, c'est les bagages. Mais il dit qu'elle est dès qu'il y a une mitzvot, mechin adam tzeda, et darko aror, grâce à la Torah et mitzvot que la personne elle fait, elle prépare des bagages pour son long chemin où elle va dans l'olam abba, qui m'a raboté nos al, ochan rerika vezavdin kelila. Ou evada yashre lemi shezoche la achin atzmo, la atzmo tzeda adrech rachok moud moud.
Kazé, il dit Rabbi Nathan et Bémet, Vadaï, heureux l'homme qui prépare ses bagages comme il faut pour un long chemin comme ça. Ken, c'est l'éternité, c'est un long, long chemin, c'est pour l'éternité. Il dit Rabbi Nathan aval, l'essentiel, l'écart Hachlemout, l'essentiel de la perfection de la Torah et des mitzvot, chez Béchat, Kiyoum, ma mitzvot, lo yarchov, filou, marchavazon. Qu'au moment où il fait les mitzvot, il ne pense même pas à cette pensée-là. Chez Ose, Zot, Bishvil, les Achin, Seda et Darko, qui fait cette mitzvah pour pouvoir préparer des bagages, il ne pense pas à ça, il ne pense pas à ça. Rakikar, Asiatov, Simchatov, et Anugo, l'essentiel de comment il accomplit la mitzvah, et sa joie quand il accomplit la mitzvah, et son plaisir qu'il prend quand il fait la mitzvah, il est rak ba mitzvah ba atma, ça va être que la mitzvah en elle-même. De faire un kiff de faire les mitzvot, de prendre plaisir de faire des mitzvot. Aïnou bema shezachal asot retson kono. C'est-à-dire de prendre plaisir ce que je fais, je t'abarche chez Molahad, la volonté du Créateur, de mon Créateur. J'ai un plaisir de faire la mitzvah, de faire la volonté, d'accomplir l'ordre de mon Créateur. Il dit Rabbi Nathan, nous mechamach liskot laze yefshar kiim alede achila dikdusha. Et pour mériter ça, on ne peut pas y arriver. Il dit Rabbi Nathan, grâce à la nourriture sainte. Que grâce à ça, comme on a expliqué au début, que c'est que grâce à la nourriture sainte, Shuprinat achilat matzah, que ça représente la achilat matzah, la nourriture de la matzah, de manger la matzah, comme voir bifnim, comme on a, ce que j'ai introduit tout à l'heure, c'est ce qui est marqué dans le Likutei Halachot en lui-même. Alken lamdu rabotenu zal kol mitzvot mi matzah. C'est pour ça que rabotenu, ils ont appris toutes les mitzvot de matzah. Comme on a dit, comme il ne fait pas attendre la matzah, il ne faut pas qu'il fasse attendre la mitzvah. D'où, pourquoi ils ont appris de la mitzvah de la matzah? Il dit Rabbi Nathan, parce que on ne peut pas mériter la joie de la mitzvah, rien que grâce à la nourriture de la matzah. Que quand on va manger comme il faut, comme on va savoir se nourrir, alors on va pouvoir être joyeux, notre cœur il va être droit. Et on va ressentir une joie dans la mitzvot, dans les Torah, dans la mitzvot. Bémet, ça aussi, il faut prier beaucoup à Hachem Yitbarach. C'est l'essentiel de tout. Rabbeinu HaKadosh, il dit que l'échelle pour arriver à chaque niveau dans la Vodat Hachem, c'est que la prière. Et Rabbeinu, il nous laisse toujours avec la prière. Il nous laisse toujours avec l'Aïd Bodedout. Que Bémet, Rabbi Nathan, là, il nous montre le chemin. Comment mériter la joie. Il nous explique, Rabbi Nathan, que notre tristesse qu'on a, notre manque de joie dans la Torah, dans la mitzvot, c'est à cause de la nourriture qui est pas sainte. Et que pour mériter la joie, il faut manger comme il faut. Il faut savoir manger. Donc comment arriver à tout ça? Ken, ça aussi, on a besoin que de la prière. De prier à Hachem Yitbarach, aide-moi à manger. Que d'abord, qu'il n'y a rien. Il y a des prières sans écouter de filotes. Qu'il n'y a aucune nourriture qui n'est pas cachère, qui rentre dans ma bouche. Et même quand je mange quelque chose de cachère, de manger ça avec sainteté, de manger ça pour ma mâche, pour pouvoir avoir des forces pour te servir. Et comme ça, on va mériter de construire notre cerveau, et puis alimenter notre cœur après, et que notre cœur il va se remplir de joie, de Torah et de mitzvot, pas une autre joie, chas v'shalom. Okay? Alors, Bémet, comme Chachamim, ils ont dit, Keshem she'en machmitzim et amatza, kachen machmitzim et amitzvah. Comme on ne fait pas attendre la matzah, on ne fait pas attendre la mitzvah, she'en o rotze. Beshum sachar olam haba klal be adam mitzvot. Rak simchato ma mitzvah be'atzma. Alors qu'il veut aucun sachar olam haba pour les mitzvot. Il veut aucun salaire dans le monde futur pour les mitzvot. Il pense pas à ça, bichlal. Rak simchato ma mitzvah be'atzma. C'est quoi sa simcha? C'est quoi sa joie? La mitzvah en elle-même. Ve'az bevadai lo achmis et ta mitzvah. Hein, c'est sûr qu'il va pas faire attendre la mitzvah. Puisqu'il attend que ça de faire une mitzvah, c'est ça sa vitalité, c'est ça son kiff la personne. Et elle veut la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'elle va faire attendre la mitzvah? C'est ça qu'elle attend, elle attend ça. Alors dès qu'elle va arriver, dès qu'elle va trouver une mitzvah, elle ne va pas faire attendre la mitzvah. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à ce qui ne fait pas attendre la matzah, c'est-à-dire quoi? Qui va manger comme il faut, comme que toute l'année, ça va être une nourriture sainte, comme quand on mange la matzah à Pessah. Comme on l'a dit, Rabbeinu, il a attrapé un morceau de matzah, il a levé et dit je tiens un morceau de jeu dans mes mains. Rabbeinu, il a pris un morceau de matzah, il a dit je tiens un morceau de jeu dans mes mains. C'est une nourriture sainte, c'est un morceau de l'éternel, c'est un morceau de la matzah, c'est quelque chose de très saint.
et que toute l'année on peut mériter de manger ma mâche comme si comment cette nourriture sainte. Grâce à ce qu'on va mâcher, on s'attache à la nourriture de la matzah, et grâce à ça notre cœur il va se remplir de joie de la mitzvah. Grâce à ce qu'on va manger, on va sanctifier notre nourriture, notre cœur il va se remplir de joie de la mitzvah. Donc il faut bémet beaucoup prier pour ça, pour pouvoir mériter de manger bémet avec sainteté bémet. Et c'est savoir la lachot, de faire la bracha comme il faut avec Kavana. C'est marqué, le Ari Akadosh il dit que la personne, si elle faisait les brachot, la bénédiction, avec ferveur, elle peut mériter le Ruach HaKodesh. Elle peut mériter le Ruach HaKodesh. Comment? Parce que son corps, il va être rempli, il va être... Comment notre corps, de quoi il se construit? De la nourriture qu'on a. Quand on mange des nourritures, alors notre corps est construit, comme on dit tout à l'heure, comme Rabbi Nathan l'a dit. Alors si on fait la bracha comme il faut, il dit le Harizal qu'on va enlever la partie mauvaise que toute la nourriture qu'il y a dans le monde, elle est construite de deux choses, du bon et du mal. Ken, c'est ce que Adam Arishon, il a fauté, il a pris de l'etz Adat Tovera. Et quand on va faire la bracha comme il faut, on va s'attacher à la emuna, on va s'attacher à la bracha que c'est Hashem Yitbarach qui a créé ça. On s'attache mamash on va trier cette nourriture et on va rentrer en nous que le bon de cette nourriture, que le bon, et c'est ça qui va construire notre corps. Et tout le mauvais, il va sortir. Il va pas rester dans notre corps. Donc notre corps, il va être construit de bon, on va être un bon keli, on va être un bon récipient pour pouvoir recevoir le Ruach HaKodesh, comme ça le Arizal dit. Et Bémet, Rabbi Nathan, on est en train de parler de ça. Que la personne, quand elle va manger comme il faut, elle va manger Bémet comme il faut, elle va faire les brachot comme il faut, elle va s'attacher à Hashem Yitbarach, elle va manger pour servir Dieu, pour qu'elle puisse avoir des forces, pas pour faire un kiff de manger, tout ça. Si elle Bémet, elle s'attache à ça, elle s'attache à la nourriture sainte, elle va pouvoir, son cœur, il va courir après les mitzvot, et son cœur, il va vouloir faire des mitzvot, et il va plus faire attendre la mitzvot, parce qu'il va vouloir, c'est ça, ça va être ça, son plaisir, c'est les mitzvot. Okay? Alors, Rabbi Nathan Mehmet, dans l'écouter à la chôte, il parle de la nourriture de Shabbat, que la nourriture de Shabbat aussi, c'est une nourriture très sainte. Et c'est pour ça que la nourriture de Shabbat, elle s'appelle, le pain du Shabbat, il s'appelle Chalot. Chalot, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est la mitzvah de Chala. La mitzvah de Chala d'enlever un morceau et de donner ça au Kohen, et grâce à ça on sanctifie le pain. Et le Shabbat, le pain du Shabbat, comment il s'appelle? Il s'appelle Chala. Ça veut dire que c'est mamash, un pain sain, complètement sain, mamash. La nourriture du Shabbat, c'est une autre nourriture, c'est pas celle de la semaine du tout. Et bien mettre un yin de Shabbat, de manger mamash et de se faire plaisir à Shabbat et de manger avec. C'est toute la nourriture du Shabbat, c'est une nourriture saine. Une saine, c'est quoi? Saine. Qui va nous sanctifier, nous va rapprocher d'Hachem Yitbarach. Alors il dit Rabbi Nathan, il explique un coup à la chôte, pour ça que le pain du Shabbat, on doit faire on doit faire sur deux pains, les chem mishne. Pourquoi deux pains? Il dit parce que grâce à la nature du Shabbat, on va vouloir faire les mitzvot. Comme on l'a dit tout à l'heure, deux, c'est donner, tu donneras. C'est une mitzvah. Pourquoi je veux cette mitzvah-là? Pour pouvoir faire une autre mitzvah. Le salaire de cette mitzvah, je veux une autre mitzvah. Il dit la même chose, l'Echem Mishne. L'Echem Mishne, pourquoi deux? Parce que grâce à la nature du Shabbat, je vais aussi avoir envie de faire une autre mitzvah, une autre mitzvah, une autre mitzvah. Ça va me rapprocher, ça va m'attacher à Hashem Mitzvah. Ça va m'attacher à Hashem Mitzvah. Alors il dit, Vaz bevadai lo yachmit et ta mitzvah rak yase ota bizrizut gadol meod, machar shekol simchato vetanugo rak ba mitzvah ba'atma. Quand la personne ne va pas faire attendre la mitzvah, puisque toute sa joie et son plaisir, c'est la mitzvah en elle-même. Vous mettez sa pétamit, j'ai zakewa shemit brach à cette mitzvah. Toujours il attend que Hashem Yitbarach va lui faire mériter de faire une mitzvah. C'est sûr qu'il va la faire très vite. Veze prinat ma shamur abotenuzal. Averat le mitzvah. כן, קלה כבחמורה, ששכר מצווה מצווה, כן, ושכר עבירה עבירה, ובורח מן העבירה, כן, זה מחכה לבא, איפה פר למצוות בשמחה, איפה קורר אחרי למצוות, עבירת למצווה. Il faut courir, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Averatz le mitzvah, kala kebachamura, là, une petite comme une grande. Pourquoi? ששכר מצווה מצווה. Parce que, puisque toi, tu veux... Et ton plaisir à toi, c'est la mitzvah en elle-même, alors cours pour la mitzvah. Il faut fuir la avera. Alors, il dit Rabbi Nathan, qui karas rizut va ritsa le dvar mitzvah, ou l'aider chez Zochim le simcha anal. Il dit que c'est pour ça, c'est ça la rizut, c'est ça la rapidité, que la personne a cours à faire une mitzvah. Pourquoi?
C'est parce que elle, son plaisir, c'est la mitzvah en elle-même. Sera en mitzvah, mitzvah. Elle des ezochim les kayem à mitzvot bezrizut gadol kanal. Alors c'est ça qui a marqué là. Et dans ce qu'on a dit, on reprend le pasouk. Ils ont cuit leur pain qu'ils ont sorti d'Égypte. Ou got matzot kilo chametz. Ils n'ont pas eu le temps de les faire chametz, d'élever le pain. Qui gorshu mi mitzrayim parce qu'ils ont été virés d'Égypte. Velo yachlu litmamea vegam tzedal lo asulaim. Et ils n'ont pas pris avec eux même pas de bagages. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est ça. C'est là que ça va nous apprendre que Béhémeth, ils ont fait leur batsek, ils sont sortis d'Égypte avec la Emouna. Ils n'ont même pas eu le temps de, ils n'ont même pas pensé à prendre avec eux des bagages. Ils n'ont même pas pensé, pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés d'Égypte. Il dit Rabbi Nathan, il continue dans le Avéborach mais Avera. C'est quoi Avéborach mais Avera? Il faut se sauver de la Avera. Il dit Gorshou Mitzrayim. C'est quoi Gorshou Mitzrayim? Il dit Rabbi Nathan, qu'ils se sont sauvés de la Avera. Gorshou, ils ont été virés en vérité. C'est quoi? C'est Gorshou Mitzrayim, qu'eux-mêmes, ils se sont sauvés d'Égypte. Ils se sont sauvés d'Égypte. C'est marqué que s'il restait encore il restait encore un tout petit peu en Égypte, il ne pouvait plus sortir. Hachem Yitbarach les a fait sortir un match à la minute. S'il restait encore un petit peu en Égypte, il ne pouvait plus sortir là-bas. Il rentrait au 50e porte de la Touma, il ne pouvait plus sortir. Alors ils ont été obligés de se sauver d'Égypte. C'est là que c'est marqué Avea Boreach Mena Avera. Il faut se sauver de la Avera. Ken Bezrat Hachem Yitbarach. Et ils n'ont pas eu le temps de faire Ken. Ils ont mérité un match de faire les mitzvot, Besimcha, comme dit Rashi. Ils sont sortis d'Égypte. Ça vient nous apprendre le shivar de peuple d'Israël, qu'ils ont eu la Emouna, ils sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas où ils allaient, ils allaient dans un désert. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter d'accomplir les mitzvot et de sanctifier notre nourriture, de prier sur ça, prier Hashem Yitbarach, qui nous aide à accomplir ça, et qui nous rapproche de lui, qui nous donne un cœur propre, un cœur qui court après Hashem Yitbarach, qui court après les mitzvot, qui est rempli de joie des mitzvot, qui veut la joie des mitzvot Bezrat Hashem Yitbarach, et qu'on puisse se sauver d'Égypte des averot, qu'on puisse sauver des averot et de courir après les mitzvot, que notre cœur il court de lui-même après les mitzvot Bezrat Hashem Yitbarach. Prier sur ça, s'approcher de Rabbeinu Akadosh qui nous apprend à prier sur chaque chose, nous apprend à prier de sauver du Yetzerara et de mériter maman, de se rapprocher d'Hashem Yitbarach avec joie, de mériter cette joie là, cette joie que Rabbeinu Akadosh veut nous donner. Et de prier avec ferveur, comme ça qui va nous donner aussi les tonnerres là qui vont rendre notre cœur droit. Il va nous redresser notre cœur comment on puisse accomplir les Torah, les mitzvot, Bezrat Hashem Yitbarach avec joie. Amen. Retrouvez les cours des Khavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.